Nous sommes dans la région d'Urabandai, dans la préfecture de Fukushima. Ces lieux attirent de nombreux visiteurs désireux d'admirer la nature qui se pare de ses plus beaux atours en automne. En ce moment, c'est la bonne saison pour venir et nous sommes très contents de montrer ce paysage magnifique à nos enfants. C'est beau ce contraste entre le bleu de l'eau du lac et le rouge des feuilles. Le mont Bandai que vous pouvez voir là-bas est entré en éruption il y a 131 ans. Il y a eu des coulées de boue et de sable, ce qui a interrompu le cours de la rivière et entraîné la formation du lac. Par la suite, des arbres ont été replantés ici et la nature a pu renaître. Accompagnés de notre guide, nous nous enfonçons dans la forêt en empruntant le sentier de Goshikinuma. Sur environ 4 km, il serpente entre des marais aux teintes bleues spectaculaires. Admiratifs de la beauté de la nature, les Japonais lui vouent un grand respect. Jusqu'à parfois voir en elle une dimension spirituelle. La vision de la nature dans le shintoïsme, c'est que l'homme ne doit pas la dominer, mais vivre en harmonie avec elle. C'est comme cela que nous voyons les choses. Et quand la nuit tombe, on a vraiment l'impression de basculer dans un monde féerique.